ceux qui pensent que la sidérurgie est un matériau du passé, c'est un outil du passé, eh bien non. Je pense que demain, on fera de plus en plus d'acier. C'est un produit qui, environnementalement, est très respectueux. Il est totalement recyclable. Si on produit ici, on produit deux fois moins de CO2 que si on produit ailleurs. Et trois, on a du savoir-faire. Mais ces trois raisons-là me conduisent à justifier le combat que nous avons tous mené pour aujourd'hui rendre de l'emploi à 300 personnes supplémentaires, mais dans les mois qui viennent, à maintenir 8000 emplois dans le bassin liégeois. Ces 8000 emplois, c'est 8000 emplois qu'on ne doit pas créer, mais il faut en créer d'autres pour justement lutter contre le chômage et faire en sorte qu'on gagne enfin ce combat contre la fatalité qui est la désindustrialisation et qui est le fait qu'on doit vivre avec des gens dans la pauvreté. C'est inacceptable et ça restera pour moi le combat absolu. Parfois animés avec des logiques différentes, à pouvoir avec moi aujourd'hui dire ce mot « on a gagné ». Et c'est peu dire pour moi l'émotion que me procure ce succès. Parce que la sidérurgie, pour de multiples raisons, représente plus qu'un secteur économique aux yeux de la personne que je suis et du ministre que je suis. Parce que c'est évidemment des milliers d'emplois. Parce que c'est aussi, aujourd'hui, le sens d'un nouveau cycle dans le bassin liégeois. Ça a été très dur d'y arriver, mais on y est. Nous devons cependant avoir la lucidité de dire que le plus dur est à faire. Mais aujourd'hui, pour quelques instants, ne boudons pas notre plaisir et notre joie. Je voudrais remercier la direction d'ArcelorMittal, M. Mittal personnellement, qui ont pris une part décisive à la décision d'aujourd'hui et à ce succès, tout comme l'ensemble des cadres de la phase à chaud et M. De Gé en particulier. Nous nous sommes battus pour que le haut fourneau 6 rouvre. Il faut conserver et augmenter cet esprit de combat. Je voudrais terminer, puisque je le vois là au premier rang, dire que sans Jean Potier, qui a imaginé la mise sous cocon du haut fourneau 6, nous ne serions aucun aujourd'hui 27 février présents à cette manifestation. Je vous remercie. Messieurs, je pense que le moment est venu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Maintenant, il nous reste à montrer ce que nous sommes, les meilleurs, viser l'excellence, à confirmer que l'acier du bassin liégeois sera ce qu'il a toujours été à la pointe des technologies.